Un beau lobby pour Rush Tavern 6, peut-être. C'est quoi, ça fait longtemps que je l'ai pas joué. De toute façon, là j'estime qu'il y aura un reset dans pas forcément très longtemps. Je préfère faire des tests. Je suis pas en mode full tryhard de ma MMR, étant donné qu'il y aura probablement un reset avant que ça ne compte pour les compètes. On va prendre lui ou on va prendre lui? Ouais, lui c'est globalement mieux. L'intérêt d'Aile de Mort, c'est de faire beaucoup de matchs nuls en early game. Voire des victoires si tu t'arranges pour prendre les bonnes créatures qui synergisent bien. Et puis du coup, à un moment, tu fais un rush de niveau. Et tu joues Taverne 4 ou Taverne 5 avec soit des vengeances ou bêtes, des trucs comme ça. Oh, c'est perdu ça. Son pouvoir héroïque qui nous inflige déjà 2 points de dégâts. Ce qui est pas bien grave, mais sachant que j'ai envie de grid, tous les points de vie comptent. En vrai, ça se fait peut-être de Chinese Curve là du coup. Il y a des tavernes 1 vraiment dégueu. Bah, il y a les dragons. Les dragons, ça me dégoûterait à récupérer. En vrai, à part les dragons, ils sont tous plus ou moins ok. Faut juste pas qu'on touche un dragon. Bon, au final, on va pas rush up. Paf. Ouais, non. Bah, vu que là il y a des tokens, je pense que je peux pas refuser 2 tokens comme ça servi. Ok. Bah, on a tenté. Et on a perdu. On a récupéré la pire créature du jeu. Fuck me. Mais qui voilà? C'est le petit dragonnet de merde! Il n'y a pas de raison que je sois le seul à avoir un petit dragonnet. Il a pas soufflé, oui, il y a un... En fait, ça prend en compte le nombre de dragons que t'as au moment où le combat commence, et du coup, bah, il se compte pas lui-même. Peut-être un deuxième. Oh non, pas ça. Ah, si. Ou alors je le triple, quoi. Par contre, attends. Je veux bien que le premier avait soufflé à zéro, mais là, j'ai un dragon au début. Pourquoi toi, t'as soufflé à zéro? Bah super, non seulement la créature est merdique, mais en plus elle bug. Non, parce que avant j'avais une explication sur pourquoi ça a soufflé à zéro. Par contre, j'en ai deux! Ça fait chier ce jeu là! Alors, oui, on pourrait être optimiste et se dire au moins c'est une paire, Maverick. Ah, c'est même un triple, allez! Oh, allez! Le petit triple, c'est parti! Et c'est parti! Wouh wouh wouh! On va aller chercher un taverne 4. Ok, ouais, le lobby se prête vraiment bien à aller chercher un 4. Ça fout la mort comme triple. Laissez mon triple tranquille, d'accord? Au moins c'est un triple. J'ai l'impression que vous jugez mes triples là. J'aime pas beaucoup votre façon de juger mes triples. Ok, ça synergise bien avec d'éventuelles vengeances.
Vous vous rendez compte à quel point vous êtes en train de juger mes tripes là, ça me plaît pas beaucoup. Hein. Par contre, on pourrait arrêter de se taper. Parce que bah, s'il y a bien un héros en early game que vous voulez pas croiser, c'est lui. Et pour l'instant, on l'a croisé tour 1, tour 4, on va me le rendre tour 7 ou c'est comment? Oh? Then. Maybe it's a good game? It is maybe a good game? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deux cartes si on se fait pas troll. On peut tavern up. Et là, on est dans le setup où. Je peux turbo up en fait. Genre je up, je vends ça, je fais ça, et grâce à l'écho de ça, je vais pouvoir turbo up. Oh, alors peut-être. Et si en réalité, ce dragonnet rouge... Parce que bon, le dragonnet rouge, je l'aimais pas trop, mais dragonnet rouge, qui a pour meilleur pote la matrone... Ha! Disons qu'on l'invite aux soirées, le dragonnet rouge, si on sait qu'il invite sa matrone. Ah mais attends, parce que du coup mes créatures meurent pas. Bah oh ouais. Alors en soi c'est sympa, ça donne du tempo. Mais par contre tu donnes les cartes aussi. C'est le deal. Putain, du coup il donne pas les cartes. Vous voyez que mon adversaire est content de son fight là où il prend méga cher. Holy shit là. Oh le parpaing que je viens de lui mettre. Et alors là je suis en train de me poser la question de est-ce que je pose ça parce que... Poser ça, c'est plus de chances de récupérer des créatures. En soi, je suis pas sûr d'avoir mes 3 golds, je pense que je dois le poser. Je vais pas griller les 3 golds potentiels. Parce que potentiellement, le fait de ne pas le poser, ça peut me faire perdre le fight. Et ça peut faire en sorte que ma matrone fasse un proc de moi. Et ça, on n'aime pas. Parce que là, au moins, on a le board full. Le prochain tour, c'est up, vendre, bah, probablement lui. Le dragonnet, on le garde, quand même. En vrai, il y a beaucoup de boucliers divins dans le lobby. Donc le dragonnet, il peut potentiellement mettre des souffles pas totalement inutiles. Oh là! Quel connard. Non, il va souffler ma matrone. Ok. Alors lui, c'est l'ennemi public numéro 1, croyez-moi. À la Tess. Oh! La connasse de Tess, là? Oh putain la Tess. Ça c'est un démon, donc potentiellement si je récupère un autre truc je pourrais le manger, donc il vaut mieux vendre l'Argus je pense quand même. Grisbranche T7, non mais... Bon évidemment, Grisbranche qui est en train de mettre des branlées à tout le monde. De toute façon, on a perdu que contre Grisbranche cette game pour le moment. Le petit Grisbranche T7, bah oui. Bah pourquoi pas après tout. Parfois ce jeu dégoûte de sa prévisibilité. Littéralement, j'ai croisé Grisbranche T1, moins 2 PV. Ensuite, j'ai croisé Grisbranche, moins 7 PV. Cette fois, ça va être quoi, moins 15?
Ah bah, et puis en plus, il level up pas. Bah non. Faut mettre des branlées aux gens. Si mon board est full, bah, je gagne rien sur mon HP. Tout simplement. En vrai, si mon rat... Ok. Il faut que mon rat... Ok. Du coup, je vais avoir deux procs sur mon rat, du coup, c'est pas si mal. Pog. Oh, et le fait de garder le démon qui paye. Une deuxième carte là-dessus également. La matrone qui meurt, mais qui au moins prend son trade. N'hésitez pas à les tuer à gauche. Non, 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 on n'a pas le même concept de la gauche. Cette fois, ce sera un petit moins 10 de la part de ce connard. Attends, attends, parce que là on va commencer à se défendre, nous. Est-ce que je peux aller chercher lui? J'aimerais beaucoup. 1, 2, 3. Tac. 1, 2, tac. Ceci a peu de valeur du coup, mais c'est pas bien grave. J'aurais pu d'abord poser le mecha par contre. J'ai merdé là. Je sais pas si enlever le baron était une bonne chose, mais... Je pense que ouais quand même. Le fait de faire un aéroport vers la taverne 6, ça me semble quand même vraiment trop bien. Je pouvais peut-être enlever l'acolyte. J'ai donné peut-être trop de valeur à l'acolyte. Les bois? Pourquoi il a taunt lui au juste? Oh, le bois reborn? Le reborné de bois? Ah, cette game est stupide comme je l'aime. Le baron était peut-être bien, ouais. Peut-être que je pouvais vendre autre chose que le baron, je suis d'accord avec ça. Le Amalgedun? Ouais, mais j'aurais pas la place pour tous les ripops, sachant que je vais probablement donner Reborn en plus. On a Bête, Mecha, LM. On crée une bonne petite dernière créa là. Oh. Du cul, frérot. Je suis vraiment désolé de te le dire, mais t'es naze. Hein. Après, il avait peu de chance d'être bien. Je l'ai un peu jeté dans la gueule du loup. Soyons honnêtes.
J'adore faire des games qui n'ont pas de sens. Après, les gens vont dire oui, mais Maverick, toi t'as de la chatte quand tu joues. Ils auront totalement raison. Toujours plus de Titanoboa! En vrai. Attendez. Je pense que je renvoie elle. C'est fini la Valdio. Est-ce que je prends la mama parce qu'il y a deux gold. Enfin le baron parce qu'il y a deux gold rain. Ça me semble être suffisant. Oh. J'aime bien avoir le taunt. Je pense que je peux malheureusement pas le booster. Je le veux, mais je peux pas m'arranger pour qu'il soit là en même temps que la mama. Ou alors, je prends pas le baron, mais je pense que le baron c'est bien quand même. Et là, je vais arrêter de faire des HP parce que je pense qu'on peut considérer que le HP a déjà bien contribué dans cette game. Par contre, alors au niveau du placement. Cette game est incroyable, je l'adore. La game est juste trop folle, quoi. C'est une petite game de petit fifou. On s'amuse. Faudrait donner taunt au Goldrin. Oh, il survit à un PV. La chatte. J'ai vraiment osé dire la chatte. Avec la game qu'on est en train de faire. Je crois que lui, il sait que c'est la mort, hein. La compo est exceptionnelle. Ah bah tiens, son petit PV. La compo est vraiment trop exceptionnelle. Ouais, en effet, un Argus ou un maître chien, ça fait partie des cartes que je cherche là. Du coup, on va pas tenter de jouer. En vrai, je pense que normalement, cette game, je devrais tenter de switch vers des. Quoique, il n'y a pas Murloc, donc le switch. Oh! Salut toi! Mais je vais taunter qui? Je vais taunter lui, mais qui d'autre? Un croco? Le petit croco? Je suis obligé. Je suis obligé. Faut retrouver le Grisbranche. Qui sait, il fait peut-être une game incroyable lui aussi. Le crocodile! Ah, je peux pas aller le tripler! Bon, ce sera prochain tour, mon frérot. Est-ce que je fais mon HP ici? Pour le boa! attendez, en vrai. On se positionne plus comme ça. Je sais pas trop. Oh, c'est nul ça. Mais au moins, on pourra pas me reprocher de pas avoir tenté le beau jeu. Oh, mauvais hit. Oh, c'était que des tavernes 1 et 2. Oh, oh, le boa doré qui fait pas de dégâts! Bon, il est quand même mort.
3 taunts le crocodile. Bah, c'est bien d'avoir plusieurs taunts, je pense, et je peux donner éventuellement Reborn au croco. J'avoue que maintenant qu'il est doré, je suis un peu plus déçu de l'avoir fait, mais NP, on va lui donner Reborn. Le titano? Le titane? Putain, jamais j'ai de la chance aussi. On va prendre ça au cas où. Maxna, ça peut être sympa, mais. Oh! Ça. Est-ce qu'il est taverne 6? Est-ce qu'il y a. Il y a Uran ou pas dans le lobby? En vrai, on tente de lui mettre un zap ou pas? Il a fait deux triples, il y a moyen qu'il ait touché, hein. Puis bon. Il s'avère que c'est mon bro le. On a des comptes à régler, lui et moi. Je mets vraiment ça comme ça. Parce que si je me fais cleave le boa là-bas, c'est catastrophe. Imagine, il me tue. C'est pas vraiment ça le hit, mais. I think you dead. Ah bah alors le grise-branche, on s'est fait péter les genoux. Bah alors bébou. Oh bah une fois qu'on arrive en late game, on suit plus. Oh bah qu'est-ce qui se passe la grisou? Oh bah alors. On est faible? Oh oui. On est une grosse. Je m'emballe, je m'emballe. Ça me fume les trois voix. Les trois voix sur le bord, ça n'a pas de sens. Il y avait. Oui, je sais pas trop pourquoi il avait un baron. Il avait un baron histoire de dire j'ai pas touché mon truc, j'imagine, mais. On n'a rien touché de bien, mais je me vois pas faire un HP pour autant. Bon. 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 Je crois que ce qui est nul en plus quand vous faites Hero Power avec ça, c'est que vous êtes garanti de taper en deuxième. On va voir, hein, mais je pense que je n'ai aucune chance d'être le premier à taper parce que je commence le fight avec 6 serviteurs. Et ça, c'est quand même un gros handicap pour ce héros. The madman. Hehehehe
Cette game est géniale. Sachant que je crois qu'il y a 7 tavernes 6 dans le pool, donc on a eu les 6 boas sur les 7 disponibles. Bon, par contre, maintenant il faut réussir à trouver d'autres trucs. C'est bien, les boas, ça, on en a. Ok. Good. Le dernier boa. Ah, juste pour la forme, j'aurais été obligé. Détoxy, ça va être bien. Oh. D'autres toxines. Ah, je peux pas enlever une de mes créatures pour faire le Hero Power, malheureusement. Je suis désolé, le chat, je peux pas. J'espère que ça va pas vous décevoir. Et je peux littéralement juste pas. Parce que là, les toxines. En fait, tout mon board est trop important. Je peux pas enlever la moindre créature pour tenter la colère. La moins bonne créature serait limite le Goldrin, c'est vous dire. Allez, s'il vous plaît, le top 1. Parce que le problème, c'est que lui, il a fait une game d'élémentaire là. Il est pas fun par là-bas. Oh, faut que j'attaque en. Enfin, je sais même pas. Je sais même pas si c'était. Oh non! Arrête ça tout de suite! Oh non, ça a tué le croco du coup! Oh! Quelle horreur! Non! Mon père! Attends, mais on s'est fait bullshit, j'ai l'impression! Ah, le problème, c'est qu'il a son cyclone de mort là, c'est un problème. Et encore, maintenant qu'il a vu notre board, il va même pouvoir se positionner autrement. Ah ouais, il peut mettre ses souffleurs en 1. Oh, c'est la sauce là. En fait, notre board, il est surtout fort de par l'effet de surprise, et bah là, il n'y a plus d'effet de surprise. Bon, bah le vilain joueur d'élémentaire va gagner cette game. Ça dégoûte. Non, ça dégoûte. Oh! En vrai, c'est trop, de toute façon, deux boas, on n'a pas la place pour. Ah, oh, je peux pas vendre un de mes deux boas. J'ai pas la place. Les toxines sont trop importantes, le taunt est important. Ah, oh, ça me fait très mal au cœur, hein. Je suis vraiment désolé pour ce que je viens de faire, le chat. Je suis désolé. Oh, tout ça pour avoir un étron. Et ouais, c'est ça, il replace en mettant ça en 1 et. C'est tout bonnement catastrophique. Bah ouais, on est. Que voulez-vous que j'y fasse? Trop dur, hein. Viens là. Oh non. Après, est-ce que le croco peut carry? Ouais, ça me semble compliqué quand même. On a eu des mechas cette game? Ah bah, il peut plus maintenant. Je sais pas s'il y a eu des mechas. Ah, apparemment oui. Bah oui, on a Malguédon. Je suis pas mort, mais ça devient de plus en plus dur. Il a ajusté son placement. Il faudrait que je chope un bouclier divin pour lui. Le retenter sert à rien. J'ai trop peu de chance que ça donne un truc bien. L'Argus. Si je tape en premier, est-ce que Argus, une des Maexna là, ça peut être bien? En fait, on va espérer taper en premier. Ok, je pense. On va tenter un truc. Au moins, on tente des choses, quoi. Plutôt que de juste mourir.
Bêtement. Ça peut totalement fail aussi, mais... Je vais espérer, ouais, taper en premier. Et je vais mettre un cleave. Ça peut être un désastre. Hein. Ça peut être un désastre complet ce que je fais là. Mais il faut que je tente un truc. Si ça se met bien, et que j'attaque en premier, alors peut-être. Je pense que je recule quand même ça. Protège le baron. Non, je vais juste espérer que ça tape pas la barre en fait. Oh putain. Déjà, le fait qu'il ait attaqué en premier, ça me dégoûte. Hein. Juste ça. Oh, il snipe mon croco, mais s'il vous plaît. Un peu de pitié pour un pauvre homme, quoi. Ouais. C'est déjà un miracle hein, d'avoir réussi à maintenir nos pourcentages dans cette game. Parce que notre adversaire connaissait notre compo et tout. Il va se fouler. Le truc, c'est que si j'attaquais en premier et que mon Goldrin faisait son proc, bah en fait, ma Exna était trop grosse pour se faire souffler. D'où l'intérêt de leur donner taunt. Fallait que j'attaque first, les Maexna devenaient big, et du coup elles pouvaient plus vraiment se faire souffler. Et c'est comme ça qu'on tentait de top 1 en fait.